L'interception des fils passe esprit devant Gauthier genre de mien. Et voilà victoire qui est lancée par Mathieu Gauthier. Et le dernier tournant, 500 mètres à parcourir, il y a victoire qui va désormais lancer la course avec bien son intérieur. Gauthier genre de mien qui ne peut pas lui répondre. Et encore plus derrière temps, Prince Esprit qui tente de repartir. Victoire qui s'est un peu couché dans le tournant. Il a dû être un peu repris par Mathieu Gauthier qui tente de se relancer. Derrière temps, Prince Esprit, il est toujours là. Gauthier genre de mien qui défend bien. Et voilà. Et qui est juste qui est lancé à l'extérieur. Et qui est juste qui le vit. Avec Gauthier qui s'est remplie dans le coup. Mathieu, avance-toi un peu, on ne voit pas. C'est gagné, pour victoire. Elle était la favorite, elle n'a pas déçu. Tout le monde est sur la photo, les petits, les grands, même les bébés. Tout le monde est en bleu. Ah, c'est sympa. Voilà, regardez cette image. Mathieu, t'es invincible en ce moment. Invincible, c'est pas le mot, mais quand on mène des chevaux comme ça, c'est beaucoup plus facile. Raconte-nous un petit peu. Raconte-nous un petit peu ton parcours, on s'est fait un petit peu de soucis dans le dernier tournant. Bah ouais, j'ai pas spécialement mon parcours, j'ai voulu démarrer calme et puis venir en montant, c'est ce qui s'est passé. Je suis bien venu en montant dans le dos de Dominique. Et après quand elle s'est retrouvée toute seule, oh, elle est partie un coup sec à gauche, j'ai attendu, en train de droite, elle a remis son cœur sur la piste et elle est repartie d'elle-même. Elle cache jamais en fait. Bon non, ouais, faut tout ce qu'elle peut. Bon maintenant, gagner le Critérium Continental, c'est un billet pour l'Amérique, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a que moi, on y va, ça c'est sûr. Après c'est mes parents qui vont décider. Ça reste les patrons, on verra bien. Oh, on va peut-être se laisser tenter quand même. Ça va être la guerre à la maison. Ouais, je sais pas si ça sera la guerre. Faut savourer déjà cette victoire-là, c'est beau. Ouais, il court pas mal. On n'a pas été des plus heureux dans le dernier tournant. C'est le truc qu'on a regretté. Ouais, ça l'a pas démérité du tout. Non, il a pas giclé. C'est un peu ce qui lui. C'est un petit peu son défaut pour l'instant. Il lui manque encore de savoir faire 200, 300 très vite. Faut qu'on corrige ça. Il fait une drôle de ligne droite. Ouais, malheureusement, j'ai pas eu le jour à 100 mètres du poteau. Sinon, on aurait peut-être. Accrocher victoire, je sais pas, mais j'ai pas pu. Le cheval n'a pas pu pleinement s'exprimer pour finir. Il fait quand même une drôle de valeur, il était en deuxième ligne aujourd'hui. Ouais, mais ça s'est super bien déroulé dans le dernier tournant. J'ai vu la ligne de la corde progresser, j'ai plongé à la corde. J'ai eu un bon parcours jusqu'à 100 mètres du poteau, où là, malheureusement, le jour ne s'est pas fait. Louis m'a tenu toute la ligne droite, il a raison, il est second. Mais si j'avais eu vraiment le jour. Bon, je vous dis, je suis heureux et un petit peu déçu. Pierre, finalement, avec le numéro 17, ça s'est pas si mal passé? On court pas être un critérium avec une chance pour être content, satisfait du 1 du numéro et 2 d'être 6e. On peut avoir d'autant plus de regrets que le cheval était en pleine forme. C'est un cheval qui est très très bon sur cette distance-là. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est subir. Donc on a subi et on les a tous mangés les uns après les autres pour en prendre un dans la gueule au plateau de départ quand Eric Adelson à tirer à droite, il faut que je l'évite encore et je pense sincèrement que ça nous coûte la quatrième place. En plus. On vous sent amer sur cette performance? Oui, bah amer, c'est logique, quoi. Je veux dire, on était le dixième au gain. C'est la faute à pas de chance, quoi. À quelques euros près, on partait en première ligne. Là, si on est battu en première ligne, il n'y a rien à dire. En deuxième ligne, avec le 17, on va aller à mettre un cierge, il n'y a pas grand chose à faire. Roberto, voltigeur en haut de la côte, on y a cru? J'ai cru, oui, malheureusement, il a eu un très 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 mauvais parcours. On s'est très mal embarqué, ils étaient sur le pied d'une 10, un autre de la montée, ça veut dire qu'ils ont fait la montée sur le pied d'une 12 à mon avis. Forcément, c'était trop lui demander. Il a tenu jusqu'à 50 mètres. Hein. Il y a 8-9 mètres entre le gagnant et la 8e place. Mais je trouve que le cheval est couru. Très mauvais parcours, malheureusement, on le joue à l'écran. Il est rassurant parce que ces derniers temps, on le sentait en demi-teinte. Oui, il est rassurant. Il manquait quelques courses. Là, il a confirmé d'être, à mon avis, un cheval de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un parcours meilleur, on est dans le coup. Franck, qu'est-ce qui s'est passé avec Vanika en haut de la côte? J'avais le dos à Louis Baudron, Village Mystique, et en fin de compte, il y a eu un accrochage juste devant Louis. Ça a repris et du coup la mienne qui avait beaucoup de gaz dans les mains, j'étais obligé de taper dans le dos à Louis, elle a fait la faute. C'est pas grave parce que sur une course comme ça, on n'avait pas trop l'impression d'être au top et en fin de compte, la jument était quand même bien.
la suite de son programme, ça passe par quoi? On va se frotter au vieux une nouvelle fois? Là, elle va courir le Bourgogne, comme elle a fait rien depuis trois courses, qu'elle fait vraiment l'intérieur à chaque fois, quoi, le prix de Bourgogne, et pour essayer de commencer à prendre le rythme. Et je pense qu'elle est vraiment mieux que l'année dernière, même si les classements sont nuls, je pense qu'elle est mieux en condition. CSB, ça s'est pas passé comme tu voulais? Disons qu'avec le numéro 1, j'étais obligé de démarrer un peu. Après, pour avoir forcément des bons dos, quand même. Donc j'ai pris la tête, mais bon, c'est une jument qui est mieux quand même en courant caché. Bon, peut-être qu'elle court aussi un peu rapprochée. Elle avait couru il y a 8 jours, elle a fait une course quand même. Donc, on va revoir. À l'avenir, je pense qu'il faudra courir derrière.